Monsieur Jamard, bonjour. Un gouvernement en affaires courantes, je vois qu'ils envoient encore leur ministre sur le terrain. Que se passe-t-il aujourd'hui ? Comme vous pouvez le constater, affaires courantes ou pas, on travaille, on est sur le terrain dans le cadre d'un contrôle multidisciplinaire, comme on en fait depuis plusieurs années maintenant. Et ici, aujourd'hui, ça concerne le secteur du transport. Dans quelques jours, ça concernera d'autres secteurs. On a déjà travaillé énormément dans le secteur de la construction, dans le secteur de la téléphonie, dans le secteur des grossistes, etc. Je ne vais pas les citer tous. Et donc, affaires courantes ou pas, moi jusqu'au dernier jour en tout cas, je serai sur le terrain pour travailler, au même titre que certains de mes collègues, bien sûr. Toutes ces opérations multidisciplinaires ont été prises à votre initiative. Et au niveau du transport ici routier, quels sont les résultats qu'on peut enregistrer déjà à cette heure-ci ce matin ? Bien, je ne vais peut-être pas citer des chiffres, nous attendrons la fin, mais en tout cas, les premières constatations sont malheureusement positives. Je dis toujours malheureusement, parce qu'on voudrait tant qu'il n'y ait pas d'infraction. Et elles concernent essentiellement, bien sûr, la fraude sociale, donc le travail en noir, des gens sans aucun statut. On vient de rencontrer un cas à Evere d'une personne sans aucun statut, sans aucun papier, sans aucun permis de conduire, sans aucune assurance, avec des armes prohibées. Qui transportait des produits dangereux. Donc je pense que les usagers doivent être conscients que ce type d'action est vraiment nécessaire. Le but n'est pas d'ennuyer les gens qui travaillent correctement, qui travaillent bien. D'ailleurs, ceux qui le font ne restent que quelques secondes ici et en général félicitent les services parce qu'eux-mêmes subissent une concurrence déloyale des gens qui travaillent évidemment dans l'illégalité. Je crois que ça a été un de vos grands chevaux de bataille dans le courant de cette législature, c'est de lutter contre ce travail illégal, ce travail en noir et la concurrence déloyale que cela provoque. Ça rentre dans ce contexte également, les opérations que vous organisez ? Absolument, je pense que les associations professionnelles elles-mêmes sont très demanderesses de nettoyer un peu le secteur. Vous savez, quelqu'un qui paye ses assurances, qui paye ses taxes, qui paye tout, et qui constate qu'à côté de ça, quelqu'un qui est beaucoup moins scrupuleux arrive pour des prix beaucoup moins importants à décrocher des marchés, c'est parfaitement inadmissible. Et donc c'est un des aspects parmi tant d'autres qui font que ce type d'action multidisciplinaire a toute sa raison d'être. Et je terminerai en disant que j'ai déposé à Val-Duchesse, ensuite rue de la Loi, en vue du prochain accord gouvernemental, on l'espère, une vue d'ensemble, la volonté de travailler de manière transversale dans la fraude fiscale, dans la fraude sociale et dans tout type de fraude, toute l'économie souterraine, avec, je dirais, une coordination soutenue au niveau d'un ministre ou d'un secrétaire d'État. Je pense qu'on gagnerait beaucoup de temps et l'État récupérerait beaucoup d'argent. Monsieur Jamard, je vous remercie.